Good morning! Allez, Iden, je suis aujourd'hui le Mishmat David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucien Matraina, si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Nazir, Perek Vav Mishnah Aleph. Shlosha Minin Asurin Benazir. Atuma, Vatiglachat, Vayotse Min Hagefen. Chola Yotse Min Hagefen, Mr. Fim Zaimze, Venochayav, Achir, Chal Min Hanavim, Kazait. Mishnah Rishona, Achi Ishte Erevit, Rabbi Akiva Omer, Afilu Shara Pito, Bayayin, Veyesh Boket Vetzaref Kazait, Chayav. On a une Mishnah qui va introduire, maintenant on va prendre un petit tournant dans la Mishnah, dans la Maseret. Jusqu'à maintenant, on s'est plutôt intéressé de comment on devient un Nazir, même si on a parlé concrètement des trois interdits de la Nazirut, mais on n'a pas mis tellement le focus pour détailler dans tous les détails. Combien faut-il manger de raisins, quel type de raisin, ou encore comment s'impurifier et tout ça. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la Maseret, je crois même le dernier chapitre, et on va maintenant prendre chacun des interdits du Nazir et l'approfondir en donnant toutes les conditions caractéristiques qui sont incluses dans l'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'impurifier pour les morts? Qu'est-ce qu'on appelle s'impurifier pour les morts? Qu'est-ce qu'on appelle, d'accord? Toutes sortes de halakhot comme ça. Ça va être le sujet maintenant, le nouveau tournant. Avec à présent, pour les deux prochaines Mishnayot, on va s'intéresser plus sur l'interdit de manger ou de boire du vin. Et on commence par traduire d'abord Shlosha Minim Asurin Benazir. Il y a trois sortes qui sont interdites chez le Nazir, si je traduis littéralement. C'est-à-dire les trois domaines d'interdit dans le Nazir. Atuma, Vatiglachat, Vayotse Minagefen. Se rendre impur, Atiglachat, se raser, les cheveux, Vayotse Minagefen, et aussi ce qui sort de la vigne. Tout le fruit de la vigne, pas forcément que du raisin ou que du vin, même pire que ça, comme ce qu'on apprendra plus dans la prochaine Mishnah, où il y a même des grains du raisin. Ouais, les petits pépins qu'il y a dedans, les petits noyaux. Même ça, si on les mange, même des raisins qui sont encore acidulés. Comme ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah, c'est écrit dans le Pasuk. Et la Mishnah me dit, sache que Vechola yotse min hagefen mitztarfim zeimze. Tout ce qui sort de la vigne s'additionne pour atteindre le... vont s'additionner. C'est quoi s'additionner? Parce que l'interdit du Nazir... Comme ce que la Mishnah me dit tout de suite, Veno chayav atchurchal mina anavim kazait. Il ne sera chayav que s'il mange du raisin ou de ses dérivés, bien sûr, une quantité de 1 kazait, le volume d'une olive. D'accord? Ce qu'on tient en général 27 cm cubes, une boîte d'allumettes, c'est des grosses olives, il y en a qui discutent que c'est beaucoup moins que ça, ça peut être 18 grammes. Et ça, alors là maintenant, on va prendre un exemple concret. Mechartzanim ve'adzag. La Torah nous a dit, tu sais même, tu manges juste une fois qu'on a écrasé les raisins pour faire du vin, on récupère toutes sortes de peau. Même ça, c'est interdit à manger. Et imagine que maintenant, tu vas composer un petit kazeït en mangeant un petit peu de raisin et un petit peu de pépin et un petit peu des peaux. Et tu fais de tout ça, tu vas le manger jusqu'à ce que tu vas atteindre un niveau de un volume de 1 kazeït. Sache que on est passible, le Nazir il sera passible de malkot. Il sera frappé, parce que la transgression interdit de anavim, nachim, viveshim, lo yochal, les vins, le raisin, frais ou séché, il ne mangera pas, il a donc la transgression interdit, il devra être frappé s'il a transgressé, comme tout interdit, tout lave qu'on transgresse. D'accord? Pour le moment, c'était très simple. Donc on a dit deux points, la quantité du 1 kazaït, et que tout s'additionne, tout ce qui se mange s'additionne. Ok, maintenant, on va tout de suite introduire quelque chose, un point important, c'est que le Nazir, par rapport à l'interdit de consommer les fruits de la vigne, il y a deux groupes d'interdits, deux sortes, deux espèces d'interdits. Il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on boit, parce que le fruit de la vigne, initialement, surtout dans son ampleur, celui qui a été interdit, c'est surtout le vin. Maintenant, pour interdire le vin, il a interdit tout le vin et tous les dérivés du raisin aussi, et de la vigne aussi. Mais donc on a maintenant deux familles. Il y a la famille de ce qui est consommé et la famille de ce qui est bu.
De manière générale, vous savez bien que les devoirs de manger ou les interdits de consommer en général sont toujours de un kazaït dans la Torah. Pas toujours, toujours, mais quasiment toujours. Yom Kippour, justement, c'est un chiffre différent, c'est Kakotévet. Mais pour la plupart des interdits, c'est un kazaït. Et pour le nazir aussi. Les boissons dans la Torah, en général, c'est plutôt un revi'it. Celui qui va prendre l'interdit doit consommer un revi'it de liquide. Un revi'it, c'est un niveau plus grand, c'est revi'it à log. Si vous voulez qu'on fasse le calcul ensemble, vous vous rappelez qu'on a déjà évoqué le principe de escalav goudo. Escalav, c'est des rachetés votes, c'est des rachetés votes, c'est pas grave. Des premières lettres de mots, escalav goudo, efa, ca, cave, log, beitza. Efa, ca, cave, log, beitza. Et goudo, c'est les coefficients entre eux. Efa, guimel, ca. Donc, une efa, il y a trois ca. Escalav, vous faites efa, ca, cave, log, beitza. Et Gimel, Vav, Dalet, Vav, donc si on fait le calcul, un log, effacé à Kav, log, il est là, log et Beitza. Un log, c'est 6 Beitza. Quand on dit Revit, c'est Revit à log, c'est-à-dire 1 Beitza et demi. Une Beitza, c'est l'équivalent de 54 cm cubes, et donc vous lui rajoutez la moitié, ça va nous faire, donc si on jette 27, ça va nous faire 74, 81. 80 cm cubes, c'est un Revit à log. 86, ça devrait être logiquement un petit problème. Quelque chose qui tourne pas rond dans l'histoire, c'est pas très grave. C'est ce qu'on en dit en général, un revit, on dit toujours, gematria cos. Cos, 86 millilitres, centimètres cubes. D'accord? Je sais pas pourquoi j'ai relevé dans mon calcul, je sais pas ce qui s'est passé, ça veut dire 57, 54, quelqu'un qui a envie d'avoir, sûrement ça doit être des petites virgules qui, ça doit être 56, alors qu'apparemment, 56, et dans ce cas-là, si on va rajouter le 28, on va y arriver un petit peu plus, pour rajouter un petit peu plus. Peu importe. Là n'est pas le problème. Ça va nous faire l'équivalent d'un revitalog, c'est 86. Vous retenez toujours le principe, hein, 86 cm cubes, c'est le revit. Quand on veut faire qui douche, c'est le revit. D'accord? Donc on a deux familles d'interdits. Les interdits de manger, les interdits de boire, manger, kazaït, boire, un revit. La Mishnah, elle ne l'a pas encore dit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu une première, ce qu'on appelle une Mishnah Rishona et une Mishnah Harona. Dans la première, il y a eu une première, il y a eu des, pour plusieurs domaines de halakha, ça se retrouve dans l'histoire, où pendant longtemps, on tenait que pour essentiel cet avis-là, puis d'un coup, les choses ont changé, et puis on tient pour l'essentiel autre chose. C'est ce qui s'est passé avec Mishnah Rishona et Chichte Revit. À la première époque, il fallait boire Revit. Le Bartona, il y a eu plusieurs manières d'expliquer, mais le Bartona explique comme ça que, dans un premier temps, dans l'époque de la Mishnah Rishona, les premiers enseignements qui étaient tenus, on disait que tout était interdit de revit, mais pas que la boisson et même la consommation. Tout était de un revit, même la consommation, il fallait attendre ce revit à log. Jusqu'à qu'après, on est arrivé à la Mishnah Acharona, qui nous a dit que non, que comme ce qu'on a introduit juste avant, qu'il fallait achiochal minanavim kazeit. C'est en deux mots. On a deux familles, les interdits de manger, les interdits de boire. Concrètement, pour la halakha, retenez ça. Ça fonctionne pour la Nezirut. Non, il ne tient pas comme ça. Tout ça, il tient comme ça. Ça rapporte dans le Zotium Tov que consommation, kazaït, boisson, revit. Il y a eu sur ça de l'évolution. En fait, il y a, on va dire comme ça, il y a deux manières d'expliquer la Mishnah, qu'est-ce qui s'est passé. Soit, dans un premier temps, tout était fixé à un niveau de un revit. Et après, tout était fixé à un niveau de un kazaït pour la boisson comme consommation. C'est celle Bartonora qui l'explique comme ça. Et Tosot, il explique dans Tosot Yom Tov qu'en réalité, non. Dans un premier temps, on tenait que tout était pareil, qu'il fallait nécessairement un kazaït et même la boisson, jusqu'à qu'après on a. Tout était que pour la consommation, il fallait manger un kazaït, boisson, un revit, et qu'après on a corrigé qu'il fallait un kazaït pour tout. D'accord? Concrètement, la Mishnah, donc, elle m'a dit qu'il y a eu une évolution et que dans un premier temps, donc, c'était tout en revit, comme il dit le Bartender, tout est en revit, liquide comme solide, et jusqu'à qu'après on a corrigé, on a dit non, tout va être dans un kazaït. C'est l'avis de Bartender. Et là, sur ça, il y a Rabbi Akiva, donc ça c'est Mishnah Rishona, dans la Mishnah initiale, on tenait que à chichter revit, jusqu'à qu'il va boire un revit en réalité, qu'il va boire et qu'il va même consommer un revit, c'était la seule mesure. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit non, Afilou Shara Pito,
Même s'il a fait tremper son pain dans du vin, et qu'il y a en tout de quoi associer pour dire qu'il a consommé un kazaït, il sera chayav. Il y a deux chidushim grands dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que Eter mitzav leisur. Imaginez que la Torah interdit de manger du jambon. Quelqu'un, il va manger un sandwich de jambon. À partir de combien de jambon il va être frappé? Il va nécessairement devoir manger un kazaït de jambon. Prendre une tranche, vérifier que cette tranche-là, elle fait les 27 cm cubes ou 27 grammes, comme ça, on a l'habitude de les traduire. Et seulement là, il sera frappé. Ben, selon Rabbi Akiva, ça ne marche pas comme ça. Si c'est un sandwich, ben, le pain et son sauciflard, là, ils vont tous les deux s'associer ensemble pour le chiour d'un kazaït, parce qu'il pense Rabbi Akiva que Eter mitztaref leissour. Le permis s'additionne avec l'interdit pour former un kazaït. La Torah nous a dit, quand je t'interdis de manger quelque chose, c'est une khila, c'est une consommation qui va te remplir le ventre un petit peu, qui va te donner une sensation que tu as mangé quelque chose. Imagine, pour une petite pépite, de la mettre dans la bouche, elle ne fait pas un kazaït, elle va à peine arriver au gosier, elle aura déjà fondu entièrement, on n'aura pas vraiment consommé. Et une consommation importante, c'est à partir d'un kazaït. Selon avec Eva, pour faire ce kazaït, tu peux. En plus de ça, additionner quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, tu manges de tout. Et Rabbi Akiva, il a deux chidushim. D'une part, que le permis s'interdit avec l'interdit, ça s'additionne avec l'interdit, pour te former un kazaït. Et d'autre part, même les liquides, ils sont aussi des kazaïtes, même selon la Mishnah Acharona. Même selon entièrement, que c'est pour ça qu'il nous dit que même s'il a fait tremper son vin, son pain, il avait une miette de pain qui faisait un 2/3 de kazaït. Il a mis à tremper dans son verre, dans un verre de vin, il récupère la petite cuillère, maintenant il a de quoi avoir un kazaït, parce que ça a gonflé, ça s'est rempli de vin. Il met ça dans la bouche, il a mangé un kazaït. Selon Rabbi Akiva, il est déjà frappé parce qu'il a consommé du vin dans une consommation d'un kazaït, même s'il n'y avait pas un kazaït de vin. D'accord? C'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un Chag Sameach et je vous dis rendez-vous pour Bezrat Hashem Isrou Chag. Ça fera, on a une semaine de pause. On aura Shabbat en Israël. Ce sera à la fois Shminat Seret et Simchat Torah. Le lendemain, Yom Rishon qui suit. Ce sera Yisro Chag pour les Israéliens, ce sera déjà un protocole. Je tournerai Bezrat Hashem le cours de cette Mishnah, comme ça on reprendra. Pour nos chers amis français, il faudra attendre un petit jusqu'à la semaine dernière pour écouter le cours. Désolé, mais on ne peut pas cumuler trop tard. Il faut aussi, après une semaine d'interruption, reprendre les bonnes habitudes le plus vite possible. Et voilà, pour le moment, je vous souhaite Chag Sameach et Kol Tov Selam.